il est 3h du matin, on a bossé toute la nuit pour vous, pour cette vidéo FAQ, donc Gordan Deza avec Marco Akirat et professeur Bob qui se cache. Alors une petite vidéo FAQ, pourquoi? Donc pour parler des projets, de la création de notre association Sud Corse Retro Gaming. Donc ça s'est passé ce soir, on a lu les statuts, on s'est tous mis d'accord. On vous dévoilera très prochainement, on ne vous le dit pas encore officiellement, qui est le président. C'est quelqu'un autour de cette table. Patron. Patron. Il y en a un qu'on appellera patron. C'est le patron. On vous le dira si vous venez la journée Retro Gaming, qu'on va annoncer également aujourd'hui. Et on va vous dire également tout ce dont on a besoin pour cette journée Retro Gaming, entre autres. Et ensuite, on va répondre à 2-3 questions que nous ont posées les internautes. Donc, création de l'association. Bob, elle va s'appeler, donc Sud Retro Gaming. Okay, il est timide, il fait son timide. Sud Corse Retro Gaming. Sud Corse, putain, il sait même pas le nom. On va pas s'en sortir. Moi, je veux pas lui de président, déjà. Non, lui, il sera pas président. Vous allez couper, hein. Non, on coupe rien. Non, c'est one shot. Donc, Association Sud Corse Retro Gaming, vous pourrez y adhérer. Alors, les premiers adhérents bénéficieront d'un tarif préférentiel s'ils viennent à la journée Sud Corse Retro, la journée du 22, n'est-ce pas? Ah bon? Un tarif préférentiel, bien sûr. Ah, d'accord. Ce sera le même après, on s'en fout, mais on les fait venir et après on verra. Et donc, les premiers adhérents, voilà, ce seront ceux qui viendront à la journée du 22. Alors, l'association, pour objet, qu'est-ce qu'on va faire exactement avec cette association? Bob. Putain, il fait chier, dis rien, il est au courant de rien. Bon, allez, je vais me parler alors. Tiens, noté les objets. Et les objets, ben, ça va être d'organiser des événements, de retaper du matériel, comment on a dit, préservation du patrimoine vidéoludique. Organisation donc d'événements, d'ateliers et compagnie, et tout ce qui tourne autour de l'animation, autour du jeu vidéo, quoi. Et donc bientôt les inscriptions. Rétro, mais pas rétro. Ah oui, ouais, on se limite pas au rétro, même si ça s'appelle Sud Corse Retro Gaming, on reste ouvert vraiment à tout l'univers du jeu vidéo, tout l'univers geek. Que ça soit dire. PC, console, new gen, pourquoi pas même des tournois, etc. Des tournois, de l'e-sport. Aussi. Hein, voilà, donc on reste vraiment ouvert aux jeux vidéo au sens le plus large possible. Ensuite, donc la journée rétro gaming. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? Comme d'habitude, on a déjà fait 2 journées, donc c'est la troisième. Des vieilles consoles sur des vieilles télé d'époque, et également donc la borne d'arcade, enfin une des bornes d'arcade qu'on a réussi, que Marco surtout a réussi à réparer, hein, grâce à son fer à souder. Et donc vous pourrez tester des jeux Neo Geo en exclusivité, des jeux, plein de jeux Neo Geo, beaucoup. Plein, beaucoup, beaucoup. Quoi? On n'en a jamais eu autant, vous allez voir. Et il y aura des concours. Donc après je vous dirai, hein, on cherche pas mal de choses donc, autour de cette journée. Il y aura des concours, il y aura quoi d'autre? Il y aura un espace d'échange, une bourse d'échange en fait, pour le matin, de 9h à midi. Donc tous ceux qui veulent participer à la bourse d'échange, répondez-moi vite ou dans les commentaires ou sur la page Facebook ou par mail ou par téléphone si vous avez mon numéro, un message privé Facebook, ce que vous voulez, contactez-moi. Hein, voilà, si vous avez des choses à échanger, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo, de l'univers geek en général, hein, ça peut être cinéma, comics, on s'en fout, on reste ouvert, manga, voilà, BD en général, il n'y a pas de problème. Voilà, il suffit juste que ce soit l'univers geek, on va dire. Donc on cherche donc des gens qui veulent y participer. On cherche également des lots pour le concours, pour les concours. On va essayer de faire plusieurs concours. Comme la dernière fois, on avait fait Street Fighter et Mario Kart sur GameCube. Là, on va voir, on pressent sûrement faire encore un petit Mario Kart et un jeu de baston. Un concours qui se fera peut-être sur la borne d'arcade, bon, on n'est pas encore bien décidé, on va voir. Et on cherche aussi des gens qui pourraient nous aider. Bon, je pense qu'on va être assez nombreux, ou pas, hein? On va être assez nombreux ou on cherche encore des gens? Non, plus on est, mieux c'est. Allez, plus on est, mieux c'est. Donc s'il y a des gens vraiment sérieux, par contre, hein, s'il vous plaît,
qui veulent nous aider pour l'organisation. T'es crédible quand tu dis ça. Ouais. Sérieux, mais vous pouvez être rigolo. Hein. Qui ont l'âme d'un animateur. Oui, voilà, qui se sentent d'animer un espace, on va dire, dédié aux consoles. Donc ça peut être Sega, ça peut être Nintendo, Xbox, je ne sais pas si on va peut-être en mettre une, on va voir. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche aussi, bon, éventuellement encore, hein, des consoles qu'on n'aurait pas, des bandes d'arcade. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque Neo Geo, il nous manque la Neo Geo. Bon, après, mais on a la bande d'arcade, on a la Neo Geo CD, c'est, certes. Bon, ben, on reste ouvert. Si vous avez chez vous encore des vieilles consoles, des vieux jeux dont vous ne servez plus, nous, on récupère. Mais en état de marche ou pas, voilà, nous, même on récupère. Même cuite, même éclatée. Même éclatée, même s'il n'y a que le... Parce que ça peut même servir pour pièce. C'est ça. S'il n'y a même que la carte mère, s'il n'y a que une partie de la coque qui est intacte, c'est bon. Donc il n'y a qu'un câble, on ne trouve qu'un seul câble. C'est clair. Même, ah oui, même un câble d'alim de n'importe quelle console, ça peut nous servir, parce que des fois c'est quand même des câbles d'alim ou vidéo assez spécifiques. Et bon, ça peut permettre de faire refonctionner une console qu'on aurait en stock et qui ne fonctionne pas complètement. Aussi, on recherche, qu'est-ce qu'on recherche encore? Non, je ne sais pas, non, c'est tout. Alors bon, bon, sur ce qu'on recherche, voilà, hein, tout ce dont vous vous débarrassez, nous on récupère, ça peut même être des vieux ordinateurs, bon, ordinateurs... on verra, à voir, hein, pas des ordinateurs portables, pas des trucs, ouais, des vieux écrans aussi, hein, bon, je suis toujours demandeur, hein, de vieux écrans cathodiques, parce que ça commence à devenir rare, hein. Bon, pas des trucs énormes, ne m'en donnez pas 10 d'un coup, parce que je ne saurais pas où les stocker, mais bon, hein, de temps en temps, on arrivera à les stocker. Ensuite, dernière chose, dernier point, c'est juste par rapport aux personnes qui nous posent beaucoup de questions, hein, on arrive à 800 abonnés, là, ce qui est quand même pas mal, merci, encore 200, hein. Il m'en faut encore 200 pour pouvoir être rémunéré. Mais bon, l'argent, c'est pas pour moi, ça va être pareil, réinjecté dans l'association. Tiens, d'ailleurs, sur la journée rétro gaming, on va peut-être mettre en vente un petit bar top. Ouais. Marco, ouais, c'est ça. Un petit bar top, vous pourrez acheter un petit bar top, celui-là même qu'on avait essayé lors de la précédente journée. Donc voilà, on n'a pas encore fixé le prix, mais ce sera un prix assez intéressant quand même. Hein, sachant que bon, dans le commerce, ça se vend au-delà de 500 euros, même 700, on va dire. On ne sera pas dans cette gamme de prix-là, on va voir. Vous verrez, vous viendrez et vous pourrez peut-être même négocier, peut-être, si on est gentil, si on est sympa. Ou pas. Voilà. Donc, par rapport aux personnes... qui nous demandent régulièrement des nouveaux tutos, des nouvelles vidéos sur tel thème, tout ça. Alors, c'est pas qu'on veut pas, hein. Dès qu'on peut, on fait, ça, y a pas de problème. En ce moment, on a été très pris donc, par l'organisation de cette journée, par la réparation de la bande d'arcade, entre autres. Et bon, pour nous, c'est très difficile de... là, on nous a demandé, par exemple, sur la Super Nintendo, comment rajouter une clé USB pour augmenter la capacité de la mini Super Nintendo. Intéressant, oui et non. Je pense que la console en elle-même a assez de capacité pour pouvoir mettre vraiment les jeux les plus intéressants, ceux qui vous intéressent vraiment au niveau de la Super Nintendo. Si vous voulez élargir après à plus de consoles, on se disait avec Marco que c'était pas forcément utile de le faire sur une Super Nintendo Mini. Orientez-vous dans ce cas-là plutôt vers un Raspberry avec une coque qui va bien, en forme de NES, tout ça, c'est... Franchement, pour moins de 100 euros, vous pourrez vous en sortir avec une console hyper complète, avec toutes les consoles que vous voulez. Et on fera un tuto. Si jamais, on fera un tuto. Ah, il s'est engagé. C'est il bon. S'est engagé, on fera un tuto sur ça. Voilà, plutôt que de rajouter une clé USB, même si, bon, on a eu plein d'éloges hein, par rapport à la façon dont on expliquait hein, sur les tutos de la mini Super NES. Mais bon, voilà, on essaiera de le faire sur le même ton sur nos prochains tutos. Donc voilà. Autre chose ? A tout dit ? Non, juste merci aux 800 premiers abonnés. Vous êtes les meilleurs. Mais voilà, le millième, arrivé au millième, on fera une teuf. Hein ? Un gros teuf. Ah, ça sera filmé. Peut-être au bar à bière. Enfin, on verra. Hein ? Bon. Merci de nous avoir suivis. Bon, la vidéo était assez chiante, mais il fallait mettre tout ça au point. Donc rendez-vous dimanche 22 avril de 9h à 19h
au Centre culturel de Porto-Vec. Donc vous avez vu, hein, l'affiche, voilà, elle va s'afficher là. Au Centre culturel de Porto-Vec, donc on vous attend nombreux. Hein, ça a été un gros succès les deux premières journées et celle-là, ça va être encore... ça va être génial. Il y aura même un espace musée où vous pourrez voir des choses exclusives, hein, notamment la Vectrex qui ne sera pas à l'essai, hein, nous sommes désolés. Mais vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'on a rentré en stock. Et donc comme je le rappelle, hein, si vous avez d'autres choses qui pourraient nous intéresser pour l'espace musée, on prend, il n'y a pas de problème. Même on rend, hein, s'il faut vous rendre, on vous le rend à la fin, il n'y a pas de problème. Donc merci à tous, merci aux 800 premiers, merci aux prochains, aux nouveaux qui arrivent. Et rendez-vous le 22. Ciao.